Bonjour. Bonjour Madame la Présidente. Bonjour aux membres du bureau exécutif. Bonjour Monsieur le maire de Perpignan. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous êtes prêts pour entamer cette journée riche en événements, que vous avez eu le temps quand même de profiter de la beauté de Perpignan et de l'accueil des Perpignanais. Aujourd'hui, c'est une journée chargée puisque nous allons reprendre l'Assemblée générale ordinaire et vous aurez le résultat de vos votes pour l'élection au Conseil national. Je sais que c'est toujours un moment de suspense et le résultat du vote pour l'élection de la présidente de notre mouvement. Important aussi parce que nous aurons des nouvelles tables rondes avec notamment une sur la France d'outre-mer et puis une autre table ronde sur cette jeunesse qui fait le choix du Rassemblement national. Et puis vous le savez, autre événement cet après-midi à 15h, le grand discours de notre présidente Marine Le Pen. Oui, vous pouvez l'applaudir. Alors, vous savez qu'on ne fait pas durer les suspens trop longtemps, c'est pas bon pour les nerfs, alors on va tout de suite vous annoncer les résultats du vote. Vous allez voir, nous allons annoncer les résultats de ceux qui ont été élus au Conseil national. Ce que je demande à ceux qui ont la chance d'être élus, c'est de rester assis cette année, pas de venir sur scène, contrairement aux années précédentes. Pourquoi ? Pour des raisons, vous l'avez compris, sanitaires bien évidemment, et je dois vous le rappeler, le port du masque est obligatoire. Pour ouvrir l'Assemblée générale ordinaire, je vous demande d'accueillir celui qui est maire d'Hénin-Beaumont, qui est aussi notre premier vice-président, mesdames, messieurs, Steve Briouat. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est un très grand honneur pour moi de vous annoncer les résultats de l'élection des 100 membres du Conseil national. Le Conseil national est le Parlement du Rassemblement national, mais juste avant, je voudrais remercier tous les militants et les candidats qui se sont battus lors des dernières élections départementales et régionales. J'ai une pensée particulière pour ceux qui n'ont pas été élus. Qu'ils sachent que la patience et la persévérance sont deux qualités indispensables dans notre noble combat politique. Vous le savez, j'ai été réélu avec près de 75% des voix lors des dernières élections municipales en 2020. Et il y a 15 jours de cela, nous avons réalisé avec Marine, au premier tour des élections départementales, 76% des voix à Hénin-Beaumont. Mais avant d'obtenir ces résultats, moi aussi j'ai été battu. Moi aussi j'ai connu les défaites. Moi aussi j'ai parfois eu un mauvais moral. Mais je me suis toujours relevé avec comme seule boussole l'intérêt général et la défense de nos idées. Alors c'est vrai que les Français parfois hésitent encore à nous confier des responsabilités, mais quand ils franchissent le pas, ils ne le regrettent pas. Essayer le RN, c'est l'adopter. Et dès demain matin, nous allons tous reprendre notre militantisme inlassablement, car la vie commence toujours demain. Alors voici le moment que vous attendez tous, à savoir les résultats du Conseil national, de la première à la 100e place. Numéro 1, Jordan Bardella.
Félicitations, Jordan. En deuxième position, Louis Alliot, maire de Perpignan. En numéro 3, un certain Steve Briouat. Merci pour votre confiance. Quatrième, Nicolas Bay. Cinquième, David Racheline. Sixième, Sébastien Chenu. Septième, Valrande Saint-Just. Huitième, Bruno Gollnisch. Neuvième, Stéphane Ravier. Dixième, Jeanlin Lacapelle. Numéro 11, Laurent Jacobelli. Numéro 12, Romain Beaubry. Numéro 13, Julien Sanchez. 14, Bruno Bild. 15, Pascal Ajac. 16, Edwige Diaz. 17, Julien Odoul. 18, Catherine Griset. 19, Huguette Fatna, mon adjointe à Hénin Beaumont. 20, Ludovic Pajot. 21, Thierry Lézier. 22, Jérôme Rivière. 23, Alain Jamais. 24, Yvan Lajeanne. 25, Olivier Monteil. 26, Hélène Laporte. 27, Julie Rochagneux. 28, Éric Domard. 29, Philippe Olivier. 30, Gilles Penel. 31, France Jamais. 32, Julie Le Chanteux. 33, Sophie Grèce. 34, Catherine Pujol. 35, Caroline Parmentier. 36, Christophe Sioka. 37, Gilles Le Breton. 38, Thibaut de la Tocnay. 39, Philippe Vardon. 40, Joël Melin. 41, Pascal Vérel. 42, Jean-Michel Cadena.
43, Marie-Hélène Delacoste Larémondi. 44, Rémi Berthou. 45, Fabien Angelman. 46, Alain Pêchereau. 47, Frédéric Boccaletti. 48, Dominique Bild. 49, Philippe Sanchez. Numéro 50, Jacques Colombier. 51, Mathilde Androuet. 52, Xavier Baudry. Deux fois. 53, Natacha Ferreira. 54, Muriel Burgaz. 55, Virginie Joron. 56, Aline Bertrand. 57, Pascal Faure. 58, Kevin Féfé. 59, Franck Alizio. 60, Sandrine Dangio. 61, Jean-François Jalc. 62, Julien Leonardelli. 63, Christopher Zurek. 64, Agnès Marion. 65, Mathilde Paris. 66, Gaëtan Dussausset. 67, Bruno Le Rognon. 68, Éléonore Bèze. 69, Cyril Aymar Dinquet. 70, Laure Lavalette. 71, Patricia Desmougeaux. 72, Océane Valentin. 73, Muriel Fiolle. 74, Philippe Miaïès. 75, Bernard Cyrano. 76, Romain Lopez. 77, Manon Bouquin. 78, Christian Zimmermann. 79, Colin Housset. 80, Céline Taché. 81, Audrey Guibert. 82, Serge Dumanoir. 83, Éléonore Revel. 84, Nathalie Germain. 85, Emmanuel Foucard. 86, Sonia Lovar. 87, Nicolas Maisonnet. 88, Mylène Guignot-Trozinski. 89, Philippe Arbona. 90, Jessica Ouette. 91, Jean-Pierre Chabru. 92, Alexandre Nicolique.
93, Guillaume Bouzello. 94, Franck Briffaut. 95, Jordan Guiton. 96, Agnès Caudron. 97, Aurélie Wagner. 98, Aurélien Legrand. 99, Michel Guignot. Numéro 100, Sandrine Chadourne. Bravo. La photo, c'est pour plus tard. Concernant la présidence du mouvement, chers amis, voici les résultats de l'élection à la présidence du Rassemblement national. Vote blanc, 1,22%. Vote nul, 0,43%. Marine Le Pen, 98,35%. Mesdames et messieurs, conformément au statut du Rassemblement national, la présidente nouvellement réélue m'a adressé la liste des 20 personnes cooptées au Conseil national. Donc voici cette liste. Philippe Ballard, Alexandra Masson-Bettati, Jean-Paul Garot, Jean-Philippe Tanguy, Philippe Emery, Jean-Michel Dubois, Séverine Verbrouck, Marie Dauchy, Julia Plane, Alexis Joly, Caroline Colombier, René Thomadeis, Sébastien Jolivet, Gauthier Boucher, Céline Porquet, Arnaud de Rignier, Émeric Salmon, Jean-Patrick Fillet, Anthony Garéno et Joshua Auchard. Eh bien, ça y est, nous avons notre nouveau Parlement. Je vais demander aux 120 nouveaux membres du Conseil national de se retrouver dans le hall, au fond,
près des ascenseurs pour faire la photo de famille, pour recevoir la médaille du Conseil national et surtout pour commencer à travailler parce que ce sera la première réunion de notre Conseil national. Pour tout le monde, je vous donne rendez-vous ici à 11h15 pour la suite des tables rondes. À tout à l'heure, merci beaucoup. Thank you.